J'aborde un sujet, je ne sais pas par quel bout l'aborder, il est inépuisable, et c'est vrai que les mots se cassent quand ils veulent parler de la souffrance humaine, dont on ne se fait peut être pas une idée, parfois quand on a une vie favorisée. Mais souvent ceux qui ont eu une vie très favorisée se disent justement ça m'intrigue ce monde de la souffrance. Il y a une fascination qui s'exerce. Et j'ai connu beaucoup de gens qui se sont investis totalement auprès de ceux qui souffrent le plus et qui avaient eu pourtant une jeunesse complètement dépourvue de souffrance. Il ne faut pas se fabriquer de la souffrance artificiellement sous prétexte que d'autres souffrent et qu'on ne souffre pas. Il faudrait se dire quelle est la grande chose qui peut naître à travers cette souffrance. Le Christ qui a souffert énormément a peu parlé de la souffrance. C'est pourquoi ce, le peu qu'il en a dit est très important. Et il en parle en disant, c'est comme une femme qui est sur le point d'accoucher. Elle est prisonnière de ses souffrances, mais quand son petit est né, elle oublie tout. Et j'ai beaucoup médité cette parole de Jésus et je me dis, quand tu souffres, quelque chose va naître. Sois attentif à cette naissance. Un jour où je souffrais énormément, un prêtre m'a dit, ta souffrance, tu la comprendras quand elle te servira pour d'autres. Oui, il y a quand même des bonheurs fous, heureusement. Mais il y a des moments très difficiles. Et dans un moment très difficile, un prêtre auprès de qui j'allais pleurer me dit, euh, tu pars lundi prochain prêcher une retraite en prison. Non, mon père, vous m'avez mal écouté. Je vous dis que je suis au 36e dessous. Justement, les gens auprès de qui je t'envoie, eux, ils en ont pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, perpète. Et ils ont besoin d'entendre la voix de quelqu'un ou qui souffre ou qui a souffert. Sinon, ils ne t'entendront pas. Et je crois que c'est vrai profondément ça, parce que ça a été une retraite comme jamais j'en ai vécu, ça a été extraordinaire. Et c'est vrai que jamais j'aurais pu aborder ces gens si je n'avais pas eu cette blessure au cœur de mon cœur. On est dans un monde difficile, rigoureux, qui réclame euh, de développer tous nos talents. Partout où les hommes ne développent pas ces talents que Dieu leur a donnés, il y aura du malheur dans l'air. C'est évident. Moi, dans les suicides dont on parlait tout à l'heure, dont j'ai été témoin, je me transformais un peu en détective. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Mélanie, 15 ans, se suicide Pour que Thierry, 16 ans, se, se pende les, les, les morts, c'est effrayant de voir des petits cadavres de jeunes qu'on a connus qui sont tous violés à la morgue et on se dit, mais il était fait pour être vivant, il avait quelque chose à porter au monde. Alors vous grattez, vous découvrez quoi Généralement, une série d'humiliations. Bon, la plupart de ces suicides, j'ai vu une série d'humiliations. Comme, euh, et alors à un moment donné, il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Trop, c'est trop. Et la goutte d'eau, ça peut être rien. Une réflexion d'un camarade de lycée qu'on aime beaucoup, qu'on admire beaucoup, mais lui, il ne vous admire pas. Et il vous lance une vanne. Et on se dit, non vraiment, là, je suis de trop. Et si je suis de trop, je me casse. Continuez en moi. Mais c'est terrible après de se dire, merde, mais c'est parce que j'ai dit ça que l'autre est mort. Eh oui. L'amour est une question de vie ou de mort. Et Dieu n'a pas d'autre voix que la nôtre pour parler. Et Il n'a pas d'autre main que les nôtres. Pour venir en aide à ceux qui souffrent. S'il y avait deux phrases à retenir de mes propos, ce serait celle-là. L'amour est une question de vie ou de mort. De vie aussi, et c'est ça qui est chouette. Vous dites une parole euh, d'espérance à quelqu'un, euh, ça y est, je me revois encore arrivant dans un groupe de scouts de 17 ans à peu près. Je connaissais personne. Je les regardais, ils se connaissaient, ils se racontaient le camp de l'été précédent. Ils étaient joyeux, tout. Ils se parlaient. Ouais, c'était chouette. On hein, détrape se coucher de soleil. Moi, comme un con, j'étais là, j'ai regardé. Je suis trop moi. Je me disais, s'il y en a pas un qui vient vers moi dans les dix minutes, je me casse. <laughs> Peu avant la fin des dix minutes, neuf ouais, minutes, il y en a un qui vient, qui vient vers moi et qui me prend par les épaules qui me mène dans son groupe. Oh putain, celui-là. Hâté jusqu'au bout des ongles, le mec. Mais Dieu lui dira, viens, viens, tu as aimé. C'est pas sur notre certificat de baptême qu'on passera au paradis. C'est sur notre amour. C'est Jésus qui dit ça, la parabole du... Du bon samaritain. Il y avait des jeunes paumés, vous avez lancé les fondations pour un monde nouveau, vous avez. vous, vous êtes pas dit, oh ça va être compliqué, la fée, là, tu te rends compte Oh dis donc, la gestion de tout ça, oh là là, qu'est-ce que ça va être dur. La bouffe, tu fais bouffer 200 jeunes, toi Non mais t'es cinglé Et on pourrait évidemment se démobiliser devant les choses à faire. Mais si on sait que Dieu nous appelle, nous convoque, nous mobilise, alors tout change. Moi, si je suis devenu prêtre, c'est uniquement parce que la souffrance des délinquants dont j'étais éducateur me taraudait les tripes. Pourquoi ils sont comme ça, ces mômes Parce qu'ils ont un père alcoolique, parce qu'ils ont une mère qui fait la pute, mais ils y sont pour rien, eux. Qu'est-ce que tu peux faire Être avec eux, éducateur, c'est bien, tu vas t'occuper d'une vingtaine, d'une trentaine. Il m'en fallait plus aussi. Ou plutôt je me disais, il faut agir à un autre niveau, là où le mal prend sa source, là, là où ça s'engouffre, là où commence l'inondation. Alors, oh, l'aventure du sacerdoce, ça c'est quelque chose. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous que Dieu appelle au sacerdoce. Sûr. Exigeant, oui, c'est terriblement exigeant. Mais avec Dieu, c'est possible. J'aimerais là euh, vous donner une prière de Sénèque. Seigneur, fais que je lutte contre les souffrances que je peux éliminer, je me batte. Fais que j'assume les souffrances que je ne peux pas éliminer, que je les transforme aussi, et donne-moi l'intelligence de faire la différence. Parce que si on se met à se résigner devant les souffrances qu'on peut écarter et dire bon ben voilà on est sous la direction de Cheochescu, c'est un cinglé mais ça fait rien faut souffrir dans la vie Jésus nous a dit souffrez alors on souffre merci Cheochescu. » bon si on raisonne comme ça on fait rien bouger rien moi, j'adore la, la, la phrase de, de De Gaulle quand il est à Londres et il vient de, de démarrer son truc. Là, il y a des volontaires qui arrivent. Il a lancé son appel comme une bouteille à la mer. Il y a un mec, un jour, il n'est pas du tout dans ses idées, il est franc-maçon. Et De Gaulle lui dit Tiens, vous gardez le bureau pendant euh, qu'on va à tel endroit. Comment Vous me confiez une telle responsabilité et moi Mais savez-vous qui je suis De Gaulle lui répond Je connais deux sortes d'hommes ceux qui se battent et ceux qui se couchent. Ça c'est une parole, ça. Il n'y a pas les cathos d'un côté, les pas de l'autre. Non, il y a ceux qui se bougent le cul et ceux qui se le posent. C'est là où c'est intéressant de se dire la souffrance, elle est monstrueuse. Elle vient parfois du péché, presque jamais du sien, presque toujours du péché collectif. Mais on en ajoute nous. On verse, on verse quotidiennement à à cette bourse du péché collectif. On cotise. Alors, faisons pas les féroux quand même. On va lutter contre ça. Premier rendez-vous que Dieu nous donne. Lutte contre les formes du mal. Voilà. Sœur Emmanuel se dit, il y a des gens abandonnés, déshérités, ils vivent dans des conditions infra-humaines, leur dignité de fils de Dieu n'est pas reconnue, j'y vais. Alors, les gna gna gna, oh ma soeur, est-ce que vous trouvez que c'est bien la place pour une religieuse S'en fout Elle a du tempérament. Non, c'est important d'avoir du tempérament. Si on est gna gna gna. Euh, hein pas, pas loin, là. Non. Branché sur le. On est panneau solaire. On reçoit les énergies de Dieu. Ça, c'est un foutu rendez-vous. Se battre. Deuxième rendez-vous, je transforme. Ce qu'a fait Jacques le Breton. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se flanque des bras Peut pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se mette des yeux Peut pas. Donc il fait contre mauvaise fortune bon cœur. Non seulement ça, mais il se dit, il me reste ma voix et il me reste mon cœur. Et il va donner des conférences au rythme d'une par jour dans le monde entier, et réveiller l'espérance des multitudes. J'ai jamais vu de ma vie autant de jeunes se convertir qu'en écoutant Jacques le Breton. Le malheur, c'est une provocation. Un jour, un jeune me dit, je ne peux pas croire en Dieu, j'ai prié depuis six mois pour qu'il pleuve au Sahel, il n'est pas tombé une goutte. Oh, je lui dis, toi, mon vieux, t'as un drôle de Dieu. Moi, le Dieu auquel je crois, il te demande de te préparer à être ingénieur pour partir au Sahel et pour creuser des puits. Parce que de l'eau, il y en a tant qu'on en veut, mais elle est en dessous. C'est-à-dire qu'il y a d'énormes pluies, par moment, Tout ça foul dans le sous-sol, nappe phréatique, il n'y a plus qu'à pomper. Moins 25 mètres, moins 50 mètres, moins 80 mètres, mais il faut y aller, il faut y aller. Il m'a regardé, dis donc, comme une carpe qui faisait des bulles. Mais Dieu, il n'a que nos mains pour faire quelque chose. Que retenir en résumé de tout ça? Premièrement, la souffrance anéantit celui qu'elle touche. La souffrance blasphème tout. Si vous rencontrez quelqu'un qui souffre, ne vous étonnez pas si vous crache à la figure. La souffrance provoque la haine, la souffrance provoque la violence. Et c'est pourquoi le retournement de ceux qui, alors qu'ils souffrent, font de l'amour avec ça et se disent tiens, ma souffrance m'ouvre sur un monde. Et donc, une jeune fille dont je me souvenais bien dans son séjour à l'aumônerie, 14, 15, 16 ans, 17 ans, se trouvait avoir 35 ans à peu près elle avait eu un enfant mort à la naissance et elle dit j'ai cru désespérer j'ai cru mourir jusqu'à ce que je rencontre un organisme de femmes qui se mettent ensemble qui ont connu la même souffrance et qui aident d'autres femmes qui connaissent la même souffrance et maintenant moi je suis active là dedans et je vais dans les hôpitaux et je vais rencontrer des parents qui ont un bébé qui vient de mourir à la naissance. elle a transfiguré vous voyez, la souffrance qui est métamorphosée cette mutation est extraordinaire. Autrefois, on cherchait la pierre philosophale qui transforme le plomb en or, mais je pense que ça, c'est encore plus fort. Et Jésus-Christ, là, est un modèle pour nous, parce que sa souffrance, il l'a transformée en amour. Jamais vous ne le voyez sombrer dans la violence, la revanche, la haine. Il ne fait aucun discours pour dire, les Romains, on aura leur peau. Hein Pilate, salaud, le peuple aura ta peau. Bon. Il n'y a, a pas de haine, mais il met en route ce mouvement qui continue aujourd'hui avec vous et tant d'autres à travers le monde. Et il vous dit à vous de jouer, luttez contre toutes les formes du mal, quelles qu'elles soient, apprenez à les voir, ne soyez pas naïfs, sachez analyser le mal. On dit souvent en parlant des fondations il ne croit pas au mal, il ne croit pas au péché, euh, il n'y pense pas assez. Faites mentir ça! C'est pas parce qu'on vous dit c'est chouette de danser, c'est chouette de rire, c'est chouette d'avoir des célébrations joyeuses, qu'il n'y a pas d'autres moments où, comme on voyait sur les images là, on est quand même penché la tête dans la main, comme Hamlet, et on se dit to be or not to be. Hein? Non mais c'est important cette phrase, c'est pas nul cette phrase, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Exister ou pas exister? Quelqu'un qui se couche ou quelqu'un qui se bat. Mais sachez que aujourd'hui même, à travers le témoignage de sœur Emmanuel et le mien, Dieu vous appelle. Dieu vous dit, j'ai besoin de toi. Sur quel créneau Ce à quoi tu es sensible. Tu as souffert parce que tes parents étaient divorcés. Tu vas agir sur un terrain où on lutte contre les causes de divorce. Il y en a 100 professions qui peuvent lutter là-dessus. Conseiller conjugal, par exemple. Tu es sensible parce que tu as vu ton père agoniser d'un cancer, ça a duré très longtemps. Tu vas être chercheur, ou tu vas être médecin, ou tu vas être infirmière. Oui, la souffrance que nous connaissons, c'est elle qui enclenche notre vocation. Oui, et plus donc vous serez euh, conscient du malheur du monde, plus vous trouverez rapidement à quoi vous êtes destiné.